Ladies and gentlemen, boys and girls, bonjour et bienvenue dans le grand tournoi de TNN pour la poule 6 et 7, hein, les deux dernières poules. Donc là, on est dans la poule 6, je vous présente les participants. Alors on a Gontre 33, Horizon MST et Kasai Sensei. Alors là, il y a tout le monde, il n'y a pas eu d'absent. Donc ça déjà, ça me fait plaisir. Là, on est à la sélection des personnages, j'ai pris... Merde, je sais plus, j'ai pris qui. Ah oui, Temari et Tenten, voilà. Temari et Tenten en offensif. J'avais longtemps hésité avec, avec Shikamaru, hein, mais bon. Au final, j'ai voulu faire l'équipe combat des Genin en version adulte. Hein. Donc là, on va passer, on va voir après qui a pris qui. Alors, il y a un Killer Bee, deuxième Hokage et Kakuzu. Intéressant, ça change au moins des Sasuke, Madara et toute la clique. Donc déjà, ça fait plaisir, là, je fais aléatoire jusqu'à la 15e seconde. Nous voici à la 15e seconde, boum, voilà. Alors, on a un Kakuzu vs Killer Bee, et ensuite, on aura un deuxième Hokage vs Temari. Intéressant, c'est très intéressant, tout ça. Alors, là, on va voir qui a pris qui. Alors, Kasai Sensei a pris Kakuzu avec Aku en équilibré, et Gontre 33 a pris le combo AB avec Killer Bee et Reikage en équilibré. C'est intéressant. On va attendre juste le chargement, voilà la petite connexion en cours. Et Sento Kaishi, c'est parti, voilà, Kakuzu qui dash contre dash de Killer Bee, Killer Bee qui enchaîne, Kakuzu enchaîne en l'air, Killer Bee va enchaîner en l'air, Kakuzu enchaîne au sol, et il réenchaîne en l'air, voilà, ils se sont entre dashés, parchemin exclusif pour calmer le Killer Bee. Et voilà le Aku qui passe pas, Kakuzu qui... Oh, oh là 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 là, le Jutsu plus le Reikage qui a failli fonctionner, mais Kakuzu s'est permis au dernier moment. Ouais, de charrière de Killer Bee, il y a Kakuzu qui veut pas le lâcher, le Aku qui passe, il balance un item pour baisser l'attaque, Killer Bee incliné, Kakuzu qui enchaîne, Kakuzu qui réenchaîne, et Killer Bee qui s'entredash. Ouh, il s'entredash encore une fois, l'incline de Kakuzu qui a failli passer, Killer Bee la chope de Killer Bee. Voilà, et qui le projette dans le mur. Ouh, ils ont brisé, il a déjà brisé le mur, allez. Oh, oh, le Reikage qui a brisé une deuxième fois ce mur. Est-ce qu'il y aura un ring out là? Ça va être intéressant. Allez, Killer Bee enchaîne, Kakuzu enchaîne, il baisse l'attaque. Killer Bee enchaîné, le combo aérien qui est passé. Allez, la Kakuzu enchaîne, Killer Bee enchaîne à son tour, Kakuzu enchaîne, Aku, il a voulu combiner Aku suivi d'une TS, ça n'a pas marché malheureusement. Allez, Kakuzu enchaîne, combat aérien, oh, oh là 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 là, je pensais qu'il y aurait eu un ring out et malheureusement ça ne s'est pas fait. Allez, là, il enchaîne, c'est terminé, waouh, oh, c'était vraiment chaud sur la fin, je croyais vraiment qu'il y aurait eu un ring out. Que ça soit de la part de Kakuzu ou de la part de Killer Bee, malheureusement il n'y a pas eu de ring out. Et bien joué à Kasai Sensei qui a battu Killer Bee, et bravo aussi à toi contre 33. Donc là, Kakuzu passe en finale et on va passer bien évidemment au deuxième combat qui opposera moi-même avec Matemari contre Horizon, il me semble, Horizon MST avec son deuxième Hokage. Alors on va voir les soutiens qu'il a pris. Alors voilà, Horizon MST qui a pris Danzo en offensif et Hiruzen en équilibré pour faire la team Tobirama. Donc là, c'est assez intéressant à voir. Alors, connexion court, Sento, Kaishi, c'est parti. Allez hop, incliné de Tobirama qui ne passe pas. Voilà, le Tobirama qui enchaîne, en centre dash. Et du X suivi d'une Tenten qui passe. Oh, la Tenten qui réexplose une deuxième fois. Le combo aérien qui est passé. Allez, je recharge mon chakra, encore une fois, je tente d'enchaîner en l'air, il me baisse la vitesse, combo X, qui ne passe pas au complet, la parchemin explosive qui a été vue au loin, l'extra hit qui passe, et l'incliné qui touche au sol, oh là 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 là, le Hiruzen qui m'a touché, et l'incliné de Tobirama qui est passé. Allez, encore une fois, combo X. Je dash sur Tobirama, l'extra qui ne passe pas, et la Tenten qui passe, mais Tobirama s'est permis pour regarder, et voilà. Encore une fois, combo X, alors que j'avais fait une brise garde, Tobirama réenchaîne, c'est à mon tour d'enchaîner, combo X, suivi d'une Tenten qui ne passe pas, et si, la Tenten passe. Allez, il faut que je tente un combo aérien, et le combo aérien qui est passé, il m'envoie ses deux soutiens en même temps, ça c'est très bête de sa part de m'envoyer ses deux soutiens en même temps, ah là là. Oh, le combo du milieu qui est passé.
Ouais, le jutsu là, vraiment le jutsu au loin pour l'orgueil. Tentative de TS qui ne passe pas. Et la tentative de TS de ma part. Oh là 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 là, l'équilibré qui est venu le défendre. Là j'ai voulu le punir de son erreur. Me tenter une TS alors que j'étais en l'air et qu'il n'avait même plus de permute. Voilà, là j'ai voulu le punir. Ah, la Tenten m'a sauvé alors que Tobirama allait faire un clean au passage de la TS de ouf. Voilà, qui logiquement ne passe pas. Allez, la combo X. Tobirama qui enchaîne, je lui balance un item pour baisser l'attaque. J'enchaîne, il enchaîne et ouh, la Tenten me sauve. Parchemin explosif pour calmer. Allez, là je dash sur lui, la chope qui est passée, boum. Voilà, et il reste une goutte de vie, je vais tenter de le calmer avec l'incliné. Et le parchemin explosif qui est passé alors que j'étais en train de balancer le deuxième incliné. Jutsu passage qui ne passe pas, je veux dasher, lui Ruzen qui ne passe pas. Et j'enchaîne en l'air et c'est terminé, même s'il avait réussi à se protéger, la Tenten lui aurait fait des dégâts, donc vraiment bien joué à Horizon, mais il a fait vraiment pas mal d'erreurs, notamment il balançait ses deux soutiens en même temps. Ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, et malheureusement, je me suis pas réellement senti en danger dans ce combat, c'est pas pour me vanter, mais je me suis jamais réellement dit merde, faut que je fasse attention parce que je vais perdre. Non. C'est très rare que ça m'arrive, mais malheureusement ça m'est arrivé vu que il a fait pas mal d'erreurs, j'en ai profité. Mais quand même, bravo à toi Horizon MSC de m'avoir enlevé quand même la moitié de ma vie. Et donc, on se retrouve en finale contre Kasai Sensei et son Kakuzu. Ça m'a l'air intéressant, un personnage bon corps à corps contre un personnage bon à distance. On va voir qui va gagner des deux. Là voilà, je tente déjà de fuir pour avoir l'avantage, parce que Kakuzu au corps à corps, ça va faire du dégât là, à la Tenten qui était passée, le Jutsu qui ne passe pas. Kakuzu qui enchaîne, qui balance un parchemin explosif. Kakuzu au passage qui recharge son chakra. Je veux enchaîner. Le X. La Tenten qui ne passe pas. L'extra hit. Ouh, je l'ai calmé avec l'incliné. Et là-haut, il y a plein de trucs en même temps. Allez, voilà, Kakuzu qui tente de faire des extra hit, de faire plein de trucs en même temps. Allez, voilà, brise garde. Et la chope qui ne passe pas. Kakuzu qui m'enchaîne. Je l'enchaîne en l'air. Et non, ça ne passe pas. Kakuzu qui m'enchaîne, Kakuzu qui me réenchaîne, combo X. Et le Haku qui me calme, au passage la Tenten qui ne passe pas. Encore une fois du X. Et là j'enchaîne, il enchaîne en l'air, dash arrière. Et là le Haku facilement évitable. La Tenten qui est passée, tentative de TS qui ne passe pas. Allez, là je veux, là je suis en garde, là je tente un combo X qui logiquement ne passe pas, le Haku, tentative de TS qui ne fonctionne pas non plus, où il y a plein de trucs qui se passent en même temps, c'est très très chaud de commenter tout ça. Allez, là Kakuzu qui enchaîne, il me réenchaîne, combo, je lui fais des shurikens chargés, le Jutsu qui a été annulé par Haku, oh là ça va être chaud, ce combat. J'ai pas l'avantage, hein. J'ai vraiment pas l'avantage. Allez, il faut que, voilà, brise garde. Ouh, il a bien fait d'éviter les explosions de Tenten. Et la chope. Oh, la chope pour me calmer, ça va être très dur. Là, je pense que ça va être très chaud pour revenir. La Tenten qui calme Kakuzu. Kakuzu qui fait dash arrière. Oh, il veut me terminer au shuriken. Oh, il veut me terminer au shuriken. Faut que je fasse attention, là. Allez, X. Ah là 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 là, bien joué, mais le finish, comment il est moche. Ah, c'est moche, mais quand même bien joué à Kakuzu qui mérite sa victoire. Donc bravo à toi Kasai Sensei, hein, tu passes en phase finale. Et donc on va passer à la poussette, on va attendre que ça se met et tout. Voilà, la poussette s'est mise. Alors, je vous présente les participants de la poussette. On est en compagnie de Rel Dist, Magatama Uchiha et SNS Isui Ryudan. Donc tous les participants sont encore là, ça me fait plaisir, hein, au moins. Il y a des gens qui écoutent les tirages au sort, vu qu'on a eu plein de remplaçants lors des phases de poule du grand tournoi de Tianen. Donc là, on est là, je choisis mes persos, j'ai pris Roshi avec Deidara en offensif. Donc là, ouais, dans la section des personnages, j'ai longtemps hésité, mais au final, ouais, voilà, je vous l'ai dit, Roshi, Deidara en Edo Tensei. Allez, on va attendre que la sélection des persos se termine. Et on va voir qui a pris qui. Alors, il y a un Mifune, Madara et Sasuke. Alors, le Mifune, je pense que c'est la première fois déjà qu'on le voit en face de poule, si je me trompe pas. Et voilà, dans notre premier combat, on aura un Mifune
vs Madara et ensuite un Roshi vs Sasuke. Ah, j'aurais bien aimé voir les deux Uchiha s'affronter, ça aurait été intéressant, mais bon, le hasard a décidé autrement. Alors, qui a pris Kiraliste, a pris Mifune avec Hanzo en offensif pour faire l'héritier des convictions et Madara avant sa mort. Qui a été pris par Magatama Uchiha avec Hashirama en équilibré pour faire je sais plus ça fait quelle équipe déjà. Bref. Allez, connexion en cours. C'est long. Ah, Sento Kaishi, c'est parti. Allez, Madara, tentative de TS. Ça ne passe pas, j'allais dire que Madara avait balancé des items, le Hashirama qui est passé. Et là, le Madara qui balance des Shuriken Fuma. Madara qui enchaîne, l'extra est annulé. Allez, Magatama qui fait un dash arrière. Allez, là, le Mifune qui enchaîne. La tentative de Jutsu qui ne passe pas. Le Danzo qui ne passe pas non plus. Les puits de Kunai qui ont touché vite fait le Mifune. Oh, le Hashirama. Le Hashirama qui est venu par derrière et qui a touché Reldist. Tentative de Jutsu qui ne passe pas. Allez, le Hanzo non plus ne passe pas. L'incliné qui ne passe pas. Oh, je pensais que là, le Jutsu allait passer sur le coup, mais non, il n'est pas passé. Le Hashirama non plus ne passe pas. Allez, là, Reldist, là, on voit que c'est vraiment un débutant. Là, il fait plein de petites erreurs qui font que Magatama en profite vraiment. Là, voilà, Reldist tente d'enchaîner. Il enchaîne, mais Madara, vu qu'il a des permutes, logiquement, il utilise ses permutes. Voilà, Madara enchaîne, l'extra ne passe pas. Et le Hashirama, lui, qui calme littéralement Mifune, le parchemin explosif, voilà, hein, qui lui fait calmer sa joie. Madara qui enchaîne, extra est annulé, le Hanzo qui ne passe pas, le Hashirama, est-ce qu'il passe? Oui, le Hashirama qui passe, Madara qui cherche son chakra. Allez, Madara qui enchaîne. Allez, c'est au tour de Mifune d'enchaîner, mais là il enchaîne dans le vent, le Hanzo qui ne passe pas. Allez, le dosage de Madara, là il a bien vu le Hashirama, pardon, là il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Allez, là le Madara qui enchaîne, l'extra hit, combo aérien, le Shuriken Fuma, avec connexion en cours, là je pense que c'est terminé. Voilà, c'est terminé, calmé encore une fois par Hashirama. Hashirama a vraiment fait son taf, mais là la victoire est amplement méritée du côté de Madara qui a... tout simplement dominer son sujet, dominer son adversaire, Mifune. Il n'a pas eu beaucoup de solutions, il s'est pas tellement senti en danger et au final la victoire est amplement méritée. Bravo à lui. Là je vais affronter Sasuke Susano. Alors je sais pas qui a pris Sasuke Susano, on va voir ça. Et c'est un bon vieil ami, SNS 6 Ryudan. Ah, on va voir si son expérience PS3 a fait de lui un bon joueur ou a fait de lui un joueur en quel on s'est sué dessus. On va voir ça tout de suite. Je plaisante, bien évidemment. Allez, Sento Kaishi, là je tente le dash, j'enchaîne, et le combo aérien qui ne passe pas. Allez, là il me tente le jutsu, c'est esquivé. Le jutsu de ma part qui est aussi arrêté. Et là j'enchaîne en l'air, et le combat aérien qui est passé. Le combat aérien, oh, et le Madara qui me caille au sol. Et voilà, le jutsu là, facilement évité de la part de Sasuke. Il me balance des items, le Deidara qui ne passe pas, Sasuke qui enchaîne. Allez, Sasuke qui me réenchaîne. Oh, le katon, je sais pas si vous avez vu, le katon, le gros katon est passé, mais je sais pas, le katon m'a happé avec lui, c'est bizarre, mais bon. Là, en tout cas, là, Sasuke m'enchaîne, le Madara, pour une fois qu'il ne passe pas. Et là, j'enchaîne dans le vide, on s'entre-dash. L'incliné qui passe. Ouh, c'était chaud, là. C'était chaud pour l'incliné. Et Sasuke qui est beaucoup en mouvement, là. Là, Sasuke qui est énormément en mouvement. Il a tenté l'incliné en l'air, mais là, je l'ai calmé avec mon incliné. Brise garde et le Deidara qui me sauve. Ouh, le Deidara qui me sauve, alors que là, Sasuke m'avait fait une brise garde. J'enchaîne, et pour l'instant, j'ai l'avantage, le combo complet qui est passé, suivi du renvoi. Oh là 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 là. Là, il a pris le tarif. Parchemin qui le fait envoyer en l'air, mais passage de Madara qui lui sauve. Il a perdu au passage la moitié de sa vie. Donc, si je lui fais deux renvois supplémentaires, il perdra, il sera mort. Et c'est celui qui m'enchaîne dans l'air, le combo aérien qui ne passe pas. J'enchaîne, et mon combo aérien qui passe. J'en charge mon chakra, le Jutsu qui ne passe pas. Allez, Sasuke énormément en mouvement qui, lui, maintenant, me fait son combo aérien. Tentative de TS, et la TS ne passe pas. Allez, j'enchaîne. Ouh, il a permuté au moment où j'allais finir sur mon combo aérien.
l'incliné en l'air qui ne passe pas, mon incliné non plus, et le Madara qui passe. Allez, j'enchaîne, et la chope qui est passée, boum! Allez, je t'envoie au loin. Allez, là, faut que je gagne. Là, il faut que je gagne contre mon vieil ami. Allez, le Deidara qui ne passe pas. Allez, Sasuke qui enchaîne, le Madara qui ne passe pas, Sasuke qui a voulu faire... Oh, 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 Sasuke qui a voulu faire combo aérien, il a fait, et je l'ai puni avec un parchemin explosif. Bien joué à toi, Sharingan, mais entraîne-toi. Je te le dis, hein. Je te le dis, entraîne-toi, là, parce que c'est pas bon, là. C'est pas bon, ton expérience peste. Attention, hein. Attention. Mais en tout cas, ouais, bien joué à toi, Sharingan, je plaisante, hein, bien évidemment. Et donc, revenons à nos moutons. Là, j'affronte Magatama Uchiha avec son Madara. Et au passage, il a obtenu son billet pour la phase finale. Donc, bien joué à lui. Allez, on va attendre le chargement. Vous voyez l'équipe. Madara vs Roshi, Hashirama, Deidara. Ça va être très dur. Ça va être très très dur, hein, parce que Magatama Uchiha, c'est vraiment un très très bon joueur. Je l'ai affronté, je sais pas combien de fois, mais vraiment, ça va être dur de le battre. En tout cas, connexion en cours. On va attendre le Sento Kaishi. Sento Kaishi, c'est parti. Allez, là, je tente de dasher. Madara sous ses gardes. L'incliné qui est passé. Oh, c'est tellement rare que cet incliné passe. Mais il est passé. Allez, le Hashirama, lui, qui ne passe pas. L'incliné l'a annulé. Madara qui enchaîne, qui me balance un parchemin explosif pour m'envoyer au loin. Il balance des puits de kunai. J'envoie le Deidara qui ne passe pas. J'enchaîne. Et le Hashirama qui me calme. Là, je suis en difficulté. Là, je suis vraiment en difficulté. La brise garde. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fail et j'ai refail. Ouh là, le parchemin explosif qui me calme encore une fois. Là, il a plus de parchemin explosif. Je tente l'incliné, voilà. Je lui balance un incliné au loin. Il me fait, je sais pas, des petits mouvements techniques. Et revient sur mon incliné. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais c'était vraiment très con. Brise garde. Ah, je voulais faire, je croyais que mon combo complet allait passer. Tentative de combo aérien, le combo aérien qui est passé, ouh là, ça va être très chaud, l'incliné encore une fois, ah la petite fois-ci retombe pas dans le piège, Madara enchaîne, allez je veux redasher sur lui, Madara qui réenchaîne, le Hashirama qui ne passe pas, oh le parchemin explosif qui le calme, et le Hashirama qui protège Madara, allez là je dash sur lui, et le Deidara, ouh le Deidara fait son travail mais Madara s'est permuté, allez j'enchaîne en l'air, oh ça ne passe pas. Ça ne passe pas, là, j'ai largement fail. Le haut, le Hashirama qui lui est passé, alors que j'étais en garde, je sais pas pourquoi, mais bon. Allez. La chope, oh, le Deidara a touché avant que je fasse ma chope, donc ma chope automatiquement n'est pas passée. J'enchaîne, il n'a plus de permute. L'extra hit, oh non. Oh, le Hashirama qui est venu défendre Madara et la chope qui est passée. J'aurais pu, je pense, faire quelque chose d'intéressant si Hashirama n'était pas venu. C'était bien joué, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais en tout cas c'était vraiment bien joué de sa part. Oup, le combo aérien qui est passé suivi du Deidara, ça fait mal. Allez, là, le brise garde en l'air, mais là ça n'a pas vraiment d'effet. Madara enchaîne, et je balance un item ou un parchemin exclusif, je sais pas c'était quoi. Et la chope qui est passée, oh là là, ça va être très chaud. Mais là j'ai un désavantage, j'ai plus de permute, et je viens de gaspiller mes dernières réserves de chakra avec un jutsu inutile. J'enchaîne et ah là j'ai été stun et le Hashirama qui me calme pour me terminer. Donc vraiment bien joué à Magatama Uchiha qui mérite sa victoire. Bravo à toi. Et on termine sur ces phases de poule. J'espère que ces phases de poule vous auront plu. J'espère que cette vidéo vous auront plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire pour me donner votre avis. Et on se retrouvera pour la phase finale. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde. の術。